Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo de la semaine. On va parler aujourd'hui de... Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tours dans le site et les gens nous disent lequel vous préférez, lequel c'est bien, lequel c'est pas bien. Et donc le but de ces vidéos de la semaine, c'est de vous décortiquer et de vous trouver des bons tours qu'on adore et qui sont presque indispensables. Ça veut dire que tant que Murphy nous le vendra, on le vendra. Celui-là, il ne disparaîtra jamais du catalogue, c'est priceless. Très bon tour. Ça, vous pouvez le prendre que vous soyez amateur, professionnel, débutant, tout public. Vous pouvez prendre Priceless et le garder sur vous et le faire quand vous voulez. Ça, c'est vraiment génial. Stone l'a fait à la télé. Je crois que tous les magiciens le font. C'est vraiment un tour sympa. Alors, ça s'appelle Priceless. Voilà. De Michel Huot et de Richard Sanders. Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne, vous avez une veste. Alors, je ne sais pas comment ils le font eux, les paroles qu'ils disent. Moi, je vais vous dire ce que je fais. J'ai une veste et je dis à mon public, en plein milieu de mon spectacle, ça peut être à la maison, ça peut être dans le spectacle, ça peut être n'importe où, même dans la rue. Voilà, j'ai une veste. D'après toi, combien elle peut coûter? Alors, je te donne un indice. Elle ne vaut pas son prix réel parce que je l'ai eu en affaires. Donc, ça, c'est des petites magouilles que j'ai pu avoir. Et elle coûte plus cher que ce qu'elle en a l'air. Donc, d'après toi, et je demande à plusieurs personnes, d'après toi, c'est un nombre à trois chiffres, à deux chiffres, à un chiffre. Souvent, ils disent trois. Trois chiffres, d'accord. Une autre personne, je lui demande, est-ce qu'elle vaut donc 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros. Donc, ils disent. Et toi, tu penses que c'est 310, 320, 330, 340, ainsi de suite. Et le dernier, il donne les unités. Et au fur et à mesure, je marque tout ça sur un papier. Et à la fin, je leur montre. Vous êtes sûr que c'est ce chiffre-là que vous pensez? Eh bien, ça tombe bien. C'est bizarre parce que j'ai eu cette veste en affaire. Et quand je la retire, à l'intérieur, il y a un antivol. C'est pour ça que j'ai eu en affaire. D'où la magouille. D'où il y a la magouille. Et il y a marqué veste costume. Ça, c'est le dernier quand je l'ai fait. 327 euros. Donc, il y a marqué exactement le même prix que ce qu'il y a écrit sur votre calepin. On voit bien, je ne bouge plus. Ben, c'est parce que je suis un peu court avec le Avec le la câble. caméra, voilà. Donc, voilà. On vous dira dans les explications comment faire. Il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs façons de le mettre. Moi, j'aime bien le mettre en haut, au milieu. Tout sera bien expliqué. Et c'est vraiment un tour que vous pouvez faire avec une veste en jean. Avec un... Du moment où vous avez une veste, vous l'accrochez. Et le tour est facile à faire. Donc facile, intéressant, ludique, il n'y a que des avantages. Et le final est rigolo parce qu'on sous-entend plus ou moins que c'est une veste tombée du camion et qu'il y a encore le prix, ou alors on l'a volée. Mais ça, c'est juste l'humour. On sait très bien que vous êtes magicien et que vous ne l'avez pas volé. Donc voilà, c'est Le ça qui est reset, joli. il est quasi instantané. Comme il dit Jérôme, reset quasi instantané. Quasi instantané, parce que voilà, c'est effacé. Et c'est génial. Donc, priceless, si vous cherchez un tour à faire dans la rue, en close-up, à la maison, en spectacle, dans n'importe quelle condition, du moment que vous avez une veste, et ben voilà. Alors, je dis du moment que vous avez une veste, elle peut être attachée, je pense, sur votre t-shirt aussi. C'est un peu délicat parce qu'il faut pas que les gens soient derrière, mais autrement. En gros, une veste, on a tous une veste. Donc voilà, ça c'est génial. Ça s'appelle Priceless. Et moi, je vous le conseille. Donc si vous cherchez des tours, vous ne savez pas où fouiner, allez dans nos vidéos de la semaine. On les a appelées comme ça. Peut-être qu'avec le nouveau site, on va changer de nom. Mais ça sera toujours nos préférences. Donc voilà, ça s'appelle Priceless. Et c'est que du bonheur. T'as des choses à dire, Jérôme? Pas du tout. J'ai tout dit? Oh, Voilà. je suis fort. Voilà. Merci à vous et à tout bientôt. Bye bye. Mettez des j'aime au fait, mettez des j'aime, mettez des likes, mettez ce que vous en pensez. Et nous, on va continuer avec tout ça. Merci.